tout et à tout, bienvenue sur une nouvelle vidéo vlog spéciale technologie. Aujourd'hui, ça sera une tablette Lame Zen que j'ai achetée chez Amazon à 59,99 € au lieu de 49,99 €. C'était en promotion, tout simplement. Donc, je vais vous faire voir d'abord une présentation et ensuite une démonstration simplifiée, test et démo. Voilà, donc je vous dis tout de suite pour ce vlog spécial, vidéo vlog spécial. Tablette 7 pouces, ouais, c'est Lame Zen. Donc, à tout de suite. Donc, voilà pour la tablette Lame Zen. Donc, là, je vais avoir à peu près une présentation. Donc, là, vous avez waterproof, c'est-à-dire que ça protège la pluie. Si vous avez des gouttes dessus, donc la tablette est protégée par un écran anti-pluie, tout simplement. Ensuite, ça fait bon, ça fait wifi qui est normal. Ensuite, il y a kitten aussi circulable, kitten circulable et compagnie européenne, donc certifié construction ou qualité européenne. Voilà, donc maintenant je vais voir ça à passer maintenant au déballement et présentation de tout ce qu'il y a dedans. Et après, au test de la tablette 7 pouces Lame Zen à 49,99 € au lieu de 99,99 €. Donc, à tout de suite. Donc, un vibre d'événement. Attention, déjà. Ouais, allez, bon. Avec la boîte, vous voyez, bon, ça va être l'écran de la tablette en dessin. Bon, déjà, la taille de la tablette. Donc, là, vous avez. Surtout les cartons présents chez Amazon, le tablette porteur là c'est en toutes les langues. Voilà, là les langues en anglais, en anglais, c'est une tablette là sur français. Pareil, comme une tablette pour ça, c'est toutes les langues bon, voilà, aux langues différentes, tout simplement. Avec aussi le site internet, tout simplement. Voilà, bien sûr. Fait avec un film de protection, ça fait dommage qu'ils n'ont pas mis de film de protection vert trompé, mais bon, ce n'est pas grave. Donc, ensuite, on a bien sûr, on est bien la tablette, enfin, déjà, dedans, on a un carton avec et ce qu'il y a dedans, donc, général, on a bien sûr le chargeur USB. Voilà. Ensuite, vous avez le câble. Là, c'est un câble. Là, c'est un câble winch. Qui veut dire winch, qui veut dire câble USB avec un autre câble qui peut mettre de transfert à transfert de tablette à tablette, ou portable si vous voulez, ou sur ordinateur. Vous voyez, tout simplement. Et ensuite, vous avez, vite plus important, hein, le chargeur USB. Voilà. Tout ça. Là, vous voyez, hein. Donc, ça de côté. Ensuite, je vais faire mon. Voilà. Et ensuite, vous avez la tablette. On est dans son bon élément. Vous avez les tuyaux de protection en mousse, hein, qui est normal. Donc, vous avez la tablette. Vous voyez, ce qui est en général, vous voyez, dans les constructions, c'est que quand on voit une tablette, vous avez aussi le truc, le support. Soit vous avez une grande tablette comme ça. Sinon vous avez un petit comme ça, donc là c'est le support de la tablette qui est dedans. Voilà la taille à peu près, donc à 7 pouces, 8 pouces, 9 pouces et 10 pouces, je crois c'est ça, hein. 7, 8 ou 9, ou sinon c'est 7, 9, 7, 8 ou 7, 7, voilà, ça dépend de la taille de la tablette, mais celle-là fait 7 pouces, voilà, donc mettre ça là, tout simplement, donc voilà la tablette en question, voilà, protection, tout simplement. Voilà, donc la tablette en question, et donc maintenant on va passer au test général de la tablette Lame Zen. Donc à tout de suite. Donc voilà pour la tablette 7 pouces. Donc là, vous voyez, elle est très bien. Le son qui est là, donc, par rapport aux autres tablettes que j'ai, ça elle est différente. Ça qui est petite, voilà. Bon, vous avez aussi le flash qui est pas mal. Vous avez aussi entre deux les deux boutons. Le son, tout simplement, le triple casque, bon, il n'a pas le casque avec, c'est un peu dommage,
Vous avez aussi la fente pour recharger le portable, le micro, l'allumage. Et je crois que ça, c'est la batterie. Normalement, ça doit être ça. Ouais. Donc là, vous pouvez l'allumer. Là, c'est normalement. Donc la graisse est allumée, tout simplement. Voilà, je vais approcher un peu plus. Que vous voyez un peu plus comme on sait. Voilà, plus approché sur la caméra. Voilà, Android. Vous voyez, bon, là, je vais cliquer directement Android. C'est-à-dire, bon, c'est pas en français. Hein, je vais le mettre en français. Voilà, tout simplement. Donc j'attends un peu. Donc voilà, elle est allumée, tout simplement. À peu près elle est allumée, voilà. Bon. Donc maintenant, je vais le mettre en route. Donc, je suis pour la démo de fonctionnalité et voir ce qu'il y a dedans. Donc ensuite, je vais l'allumer. Voilà. Donc, on arrive directement à l'écran, donc la laveur. Là, vous avez un jeu. Et ensuite, vous avez paramètres. Internet et Google. Donc, oui, mon Android, je dis Google, donc c'est Android, Google Turbo. Donc là, je vais mettre directement Android. Là, donc, je vais attendre que ça passe. Parce que normalement, il faut mettre directement la Wi-Fi. Donc, je vais la mettre. Donc, vous voyez, directement. Voilà. Donc, normalement, ça ne met pas. Donc, moi, je regarde à peu près la Wi-Fi dans ma kilogine. Donc là, je vois pour mettre la Wi-Fi directement dans Android. Donc, à tout de suite. Donc, ensuite, dans paramètres. Après, allez dans settings, parce que c'est en anglais hein, pour l'instant. Donc, après, vous allez en bas. Vous allez dans langue, tout simplement. Et après, vous allez dans langage. Et après, vous cherchez la langue française, simplement. Directement la langue française, on est pas en français. Langue française, BG, France, France. Voilà. Et voilà, maintenant c'est en français. Voyez, tout simplement. Et ensuite, on va retourner l'autre côté. À sens contraire. Voilà. Et ensuite, on va dans Android. Là, suivant, donc ça détecte quand même. Bon, je suis connecté, donc je me connecte directement sur la Wi-Fi, qui est un truc qui est logique. Donc là, je vais mettre la Wi-Fi. Voilà, détecter la Wi-Fi. Voilà. Et là, je vais mettre la Wi-Fi directement avant de commencer la démo test. Enfin, test démo du la tablette. Donc à tout de suite. Donc voilà, j'ai mis la Wi-Fi. Donc maintenant on tourne de l'autre côté. Donc, simplement. Ensuite, retourner avec le précédent. Donc là, on met Android. Là. Donc je fais suivant. Là, j'attends que ça cherche. Donc voilà, on s'est cherché. Donc maintenant, je vais mettre un identifiant. On va tout de suite. Donc, je vais créer un compte identifiant. Donc, je vais mettre. Bon, je peux mettre mon nom, ça sert à rien. Les prénoms, je vais créer ça pour moi, comme ça, je peux faire voir, comme d'habitude. Moi, je fais. Voilà, hop, simplement. Voilà, donc il cherche entre deux.
Et ça passe. Donc voilà, donc le numéro de téléphone. Donc maintenant on va réessayer. Hop. Donc là ça a mis carrément en veille, on dirait pourquoi, parce que ça a mis en veille. Bon, c'est. Donc maintenant je vais mettre, c'est fait, je vais mettre le jour, donc pour quelqu'un, on met 12. Moi, je vais mettre. Et année, je vais mettre 1936. Et mettre en 7, je vais mettre homme. Je vais créer comme ça. Voilà, ok, exactement. Voilà, donc là je vais mettre un autre modifiant direct. Voilà, j'en prie tout et tout. Mot de passe, je vais mettre porte. Passer, ça ne passe pas. Je vais mettre maintenant. Voilà. On va voir ça. Donc voilà. Non, j'ai fait le mot de passe et tout ça. Donc là, j'ai fait oui. J'accepte, clairement on comprend tout ça. Voilà, donc tout c'est fait, voilà, tranquille. Donc maintenant, on compte, on a assez de mots, parfait. Voilà, tout est mis, donc bienvenue. Donc là, pas besoin de le refaire. Voilà. Là, on a son Google direct, à Google Play, directement. Donc, alors ça a fonctionné. J'attends que ça aille dessus. Ensuite, appuyez sur accepter, le premier, voilà, et le deuxième, voilà, et créer le compte, et là, faites accepter directement sur la tablette, voilà, tout simplement. Alors, ces produits, ça arrive, quand ça arrive, qu'il y a une erreur, voilà, on attend un peu, voilà, donc, je vais recommencer. Donc voilà, maintenant je suis arrivé à accepter les termes du tunnel de temps de Google Play. Donc voilà, je suis sur Google Play. Donc maintenant on va mettre un jeu. On va voir, hein, n'importe, hein. On va mettre un Candy Crush. Voilà. Hop, simplement. Donc le jeu direct. Donc, on va faire Candy Crush. Simplement. Voilà. Hop, on va attendre que ça puisse se faire. Voilà. Continuer, payer le compte. Finir quand même. Voilà. Hop. Continuer. Donc, tout faire le sens contraire. Ignorer. On va télécharger le jeu directement. On va télécharger le jeu. Là, ça se télécharge et on attend pour le télécharger. A tout de suite. Prêt pour tester le jeu sur la tablette. A tout de suite. Donc voilà, maintenant la vidéo, enfin la vidéo, le jeu est fait. On va ouvrir. On va tester. Tout simplement, voilà.
Je vais pas m'identifier en rien du tout, je vais pas masquer, je vais vous faire voir. Entre le son et tout le reste. Voilà. Le son est à fond. Voilà, tu vois, je vous ai pas dit, elle fait en GPU puissance, ça fait 1,6 GHz. Gigaoctets. Et de carte mémoire pour mettre dedans déjà à peu près 7 gigas je crois. Pardon. Donc voilà, donc c'était voilà. Donc je vais le son est assez à fond. Le son est à fond. Parce que là je le bloque avec le truc qui est dessus parce que le son est très fort. Voilà. Plus un temps normal, on va faire ça, comme ça, voilà, directement. Donc voilà pour le jeu, donc j'appuie dessus, voilà, donc là vous voyez, le son est assez à fond, voilà. Le son est très fort, hein. Vous voyez, c'est un son, vous voyez, le son est sorti là, voilà, c'est très très fort. Donc pour le jeu, voilà. Vite fait, hein. Voilà. On va voir vite fait le jeu, c'est tout. Hein, voilà. Là, on va passer maintenant à l'étape suivante, YouTube et puis après Google et la musique et le reste et les photos aussi. Donc à tout de suite pour la suite, du test démo de la tablette. L'abzième. Voilà, à tout de suite. Donc maintenant on a fait les jeux qui est là. Donc maintenant on va essayer Google. Donc Google, donc on se le reste, on se met Google, parce qu'on se met. Donc là je vais mettre Google directement. Donc, il se met. Donc autoriser. Les trucs mieux comme il faut, tout se mettre en place. Voilà. Voilà Google. Donc Google, je vais l'enregistrer. Donc voilà, je l'enregistre. Et là, normalement, il devrait être dessus. Donc je sais pas si il est dessus sur le. Non, il est pas. Donc je vais le mettre. Donc, ce que je vais faire. Là. Et on va carrément. De paramétrer direct sur l'écran. Donc, là, ok. Ça. Je vais mettre ça sur l'écran. Zut. Donc maintenant on va mettre ça sur l'écran d'accueil. On va appuyer là-dessus. Voilà. Et on va mettre ça sur l'écran d'accueil. Page d'accueil. Voilà. Et normalement, ça doit être une page d'accueil. Voilà, c'est là. Donc voilà, ça m'en signe une petite voix. Non, voilà. Et là vous avez Google. Donc Google, je vais mettre maintenant YouTube. YouTube. Exactement. Mettre YouTube. Direct, là. Hop. Donc là, mettre à jour. Je vais faire, je prends le bouton, ça arrive. Je reviens directement. Hop. Là. Hop. Mettre à jour, ouvrir YouTube. Il est déjà sur le truc. Là, je vais remettre. Là. Mettre à jour, on va mettre à jour, ce qui n'est pas mis à jour. Moi-même, si vous faisiez YouTube sur Facebook, sur Google, c'est pas grave. Vous pouvez voir aussi sur Google Play, parce que Google Play, c'est à peu près la même chose, ouais, tout simplement. Et il va se mettre en marche, donc on va attendre que ça se télécharge. Donc, à tout. Donc, voilà, donc là, je vais ouvrir. Donc, là, j'ouvre YouTube direct. Voilà. Là, donc, ça s'allume. Il va se mettre en place.
prendre là, hop, simplement. Voilà. Ok. Ensuite, je vais mettre un identifiant. Donc, je vais aller en fond directement. Donc, identifiant. Donc, là, j'ai changé la compte MBC. Donc, là, voilà. Donc, là, c'est moi, j'ai mis tout à l'heure. Et là, tous les vidéos. Voilà. Donc, je mets une vidéo de mienne. Voilà. Ça. Donc là, hop, voilà, donc là, je vais mettre abonné, je vais abonner quand même. Bon, si on se parle, on va quand même plaisir. Voilà, on soutienne quand même. Donc là, ensuite, je fais celui-là par exemple. Tout, on n'ouvre pas, voilà, vous voyez. Hein. Là, le son est fort aussi fort. Voilà, petit j'aime. Voilà. Et oui, abonnez-vous, hein, et surtout mettez des j'aime, je dirai ça à la fin. Donc voilà, simplement. Là, j'avance un peu plus. Tout. Voilà comment c'est. Tout simplement. Ensuite, je vais vous faire à peu près comment c'est YouTube. Voilà. Et ensuite, on va faire la photo. Donc à de suite, hein, pour la suite de ce vlog spécial tablette 7 pouces de Lanzian. À tout de suite. Donc maintenant pour la vidéo et la photo. Donc là on va aller sur directement photo et vidéo. Donc photo et vidéo, normalement vous devriez être dessus. Voilà, photo et vidéo. Hop, là on y est, voilà. Donc on va voir selon la performance de la vidéo. Donc, et si on était dire que ça va, hein. Seulement derrière, vous voyez, derrière on a le flash, le truc, les photos directement. Donc, on va voir comment c'est. Voilà, hop, simplement. Donc, on a le truc qu'il faut. Donc, une photo comme ça. Et là, on va essayer sur. Pareil, directement, hop, flash, et aussi, voilà, le côté, moi, pardon, non, voilà, d'un côté de l'autre, tout, voilà. Donc là, d'un côté de l'autre, voilà, là, c'est bon, donc ensuite, on va aller voir directement l'image, là, entre sans et avec le flash, voilà comment ça fait pour les vidéos, maintenant, on va voir pour les photos. Je sais pas vraiment, bon, là c'est vrai que la tablette est bien, mais question de luminosité et puis pour qui s'appelle contraste et qualité, on va dire que c'est une tablette simple. On va dire c'est conçu aussi pour les enfants, hein. Les enfants aussi peuvent s'en servir, c'est pas non plus un problème. Voilà, donc maintenant on va faire la vidéo. Donc la vidéo, tout simplement, je vais la faire. Voilà. Donc maintenant pour la vidéo, vous appuyez sur le bouton vidéo, voilà, ça enregistre. Donc là j'enregistre la vidéo, ça vient de parler, mais bon c'est pas grave. Donc voilà à peu près, donc maintenant on va regarder. Hop. Bon, c'est ma copine qui me parle derrière, hein, excuse-moi pour elle. Voilà. Bon, on va dire que le son et pas encore terrible, mais c'est vrai, c'est un son vraiment flou. Bon, c'est un son qu'on peut même régler, on peut régler le contraste en même temps, on peut régler les aussi UGT, en même temps sur réglage, paramètres, régler ça, hop,
régler le contraste, régler aussi luminosité, régler pareil pour tout ce qui est lance. Voilà. Et je vous ferai à peu près comment ça fonctionne. Voilà. Bon, dire c'est une bonne tablette. Hein. Bon, c'est vrai que pour les professionnels, ils prendront pas ça, mais juste pour les personnes qui s'habituent aux tablettes, qui aiment les petites tablettes, c'est bien. Voilà, donc on va dire c'est une bonne tablette pour les personnes qui savent pas en servir. Enfin, voilà. Donc maintenant, on va essayer d'un côté Google. Donc Google, voilà, on va mettre Google, hop, simplement. Alors on a Google, donc Google, enfin les informations, donc on va dire image, voilà, porte, voilà, image, on va vers image, donc là on va faire comme ça, voilà, toutes les images, vous avez des images en même temps, vous pouvez mettre ça comme si vous voulez, voilà, faire rationner, c'est-à-dire, vous mettre l'image directement, voilà, comme ça, vous mettre. Qu'on voulait, ce qui voyez, vous mettre n'importe comment, même le mettre en long ou en large. Voilà. Il y aura que il y a beaucoup de choses à voir maintenant. Cette tablette. Voilà. Ça, je vous ferai à peu près comme c'est Google. Donc, aussi, qui fait quoi de plus? Donc, il fait quoi de plus? Donc, ensuite, moi, il fait jeu, il fait date. Bon, date, vous connaissez, hein. Calendrier, date, voilà. Ensuite, il fait. Contact, on va faire aussi contact. Contact, j'ai pas mis grave. Fait aussi enregistrement, aussi vidéo, puis aussi GPS, on n'a pas fait voir. GPS directement, bon, GPS, hein. Voilà, donc GPS direct, donc là j'ai marqué directement pour GPS, vite fait, marqué. Là, ça va chercher Gisor, voilà, hop, et ça sert Gisor, il avait sur Gisor directement, voilà, ensuite dessus, voilà, Gisor, hop, la voiture, voilà, directement, hop, on va y aller à pied, voilà. La photo de la ville et son château, donc sinon on peut voir si un temps sur Gisor vous pouvez aller directement dans la ville. Pour ça j'arrive sur Google, hop, faire le chat. Là, hop, directement, et là vous allez directement sur GPS. Là, je vais voir. Donc là, vous allez sur map. Vous faites comme vous avez fait, j'ai fait au début. Vous faites accepter, et voilà. Hop, directement dessus. Là, vous allez directement. Voilà, vous voyez, maintenant vous êtes en temps réel. Voilà, le château de Gisor. Voilà tout. Descendez. Voilà, et carrément le château. Descendez encore. Voilà, vous avez navigué. Vous pouvez même servir le GPS, hein, la tablette. Hein, mais le temps de charge, ça va, ça dure. Vous avez le temps de charge encore dans les 60 minutes, 60 en charge, hein, 60%. Vous avez le GPS, hein, le portable, tout. Voilà, et je vais faire vite fait, le GPS, et sinon, voilà, bon, pour la musique, j'ai rien mis pour l'instant, hein, mais bon, la vidéo, vous avez Google, vous avez Play Store, Facebook, bon, Facebook, j'ai pas mis, mais je le mettrai, je vais pouvoir avoir vite fait comment il fonctionne, voilà.
Et vous avez tout ça, voilà. Vous pouvez aussi mettre la météo et tout ce que vous voulez dedans. Bon, c'est une bonne dire, c'est une mode tablette, mais on va dire c'est vraiment pour les enfants. Hein. On va dire c'est pour les enfants ou pour les adultes. Hein. Ça peut aussi servir pour ça. Bon, c'est une tablette 7 pouces pour une autonomie de à peu près de 5 heures d'autonomie, voire même plus aussi. Donc, qui fait à peu près dans les 1,6 GHz en puissance. Et vous mettez une carte mémoire directement dedans de 16 Go ou plus, ou 32. Donc pour le carte mémoire, ça va vite fait. Donc c'est un peu la carte mémoire qui attend. On va voir ça. Donc carte mémoire, mémoire, voilà. Donc la 593 en mots, donc mots, bon, 593 en mots. C'est vrai, ça n'a pas beaucoup, beaucoup de place, on va dire. Voilà, utilisation 58%. Voilà, on va mettre une autre carte mémoire entre deux. Donc, ça fait là 3 heures. Là, ça fait 3 heures que j'ai utilisé. Donc, ça va vite. On dirait c'est une tablette qui est assez bien selon sa performance assez technique. Voilà, et à propos de la tablette. Voilà, pour votre tablette, vous avez tous les renseignements. À chaque fois, vous faites voir, savoir une tablette que j'ai, que vous achetez, il vous fait voir directement comment ça fonctionne avant que vous l'achetiez. Au moins, vous avez toutes les informations sur cette tablette qui s'appelle l'Asmzen. L'Asmzen, ça, c'est un drôle de nom, mais elle est pas mal quand même. Surtout pour les enfants, c'est bien. Voilà. Donc, maintenant, vous pouvez mettre une image aussi dessus. Hein. Vous pouvez mettre une image Google. Bon, voilà, je vous dis tout de suite hein, pour la fin de ce lot spécial tablette 7 pouces de la marque Lamtian de chez Amazon à 59,99€ au lieu de 99,99€. Donc, à tout de suite pour la fin de ce vlog. À tout de suite. Pour la fin de ce vidéo vlog, à tout de suite. Pour la fin de ce vidéo blog, à tout de suite. Donc voilà mes amis pour ce vidéo vlog spécial tablette 7 pouces Lamtian de chez Amazon. Je vous redis encore le prix encore une fois et je me répète à 59,99€ au lieu de 99,99€, enfin 99,99€. Voilà. Donc si vous aimez ce vidéo vlog, envoyez-moi des commentaires hein, si vous votre avis. Je vais avoir d'autres vidéos comme ce que je fais au test de technologie vidéo, tout ça de tablette ou portable, n'importe quel produit e-tech, n'importe quel magasin, vous nous direz si vous en voulez voir d'autres. Et aussi, n'oubliez pas de liker sur le pouce j'aime si ce n'est pas encore fait. Et surtout, abonnez-vous sur ma chaîne pour plus de vidéos. Et surtout, partagez la vidéo sur ma chaîne. Voilà, pour avoir plus de personnes. Et surtout, n'oubliez pas d'être fidèle et surtout de m'encourager et de me soutenir. Il y aura d'autres vidéos à venir. Et sur ce, je vous dis un bon week-end. Et puis prenez soin de vous. Je prends soin de moi, encore une fois. Bon, je ne le dis jamais, mais je vous le dis quand même. Voilà. Donc, bisous à vous. Et puis, sur ce, bah, passez une agréable journée, fin de journée. Et puis, sur ce, au revoir. Et puis, à bientôt. Voilà.